l'échec de la guerre à la drogue ne peut s'expliquer seulement par les effets pervers de la répression ou la corruption des agents de contrôle. La cocaïne rapporte beaucoup trop d'argent pour qu'on la combatte sérieusement. C'est une formidable bombe à finances qu'on ne peut abandonner aux seuls trafiquants. Objectifs politiques qui servent les politiciens et justifient les budgets militaires. On s'explique, la politique de subvention agricole appliquée par la communauté européenne et les États-Unis a fait chuter les prix agricoles de 50% en 30 ans. Donc les pays du tiers-monde n'ont plus que les cultures de coca, de pavot, de hashish et de marijuana. Pour être compétitifs sur les marchés internationaux, bonne raison pour envoyer les GI dans les pays producteurs de pavot. On combat la coco pour avoir des places stratégiques dans le business illégal, car la communauté financière internationale gère les bénéfices de la banque occidentale. La seule vente légale de feuilles de coca, et pour Coca-Cola qui la raffine pour sa boisson, les USA combattent la coca. Alors qu'ils sont les seuls au monde à pouvoir l'importer librement dans leur nation, pendant que dans la rue on se fait serrer pour 2 grammes de chichon. Les prisons sont remplies de petits délits, le tout organisé comme un show télévisé. Chaque personne a son rôle à jouer dans la société, mais attention, chacun a sa place. Style de la coke dans le ghetto, vendu de shit par kilo, mais ne viens pas t'occuper du business de l'état, sinon tu finiras à la mort ou au cachot. L'état assassine, ce n'est pas une surprise. Quand l'état a une cible, son bras ne tremble pas quand il vise. La répression sur les petits trafiquants cache la vraie identité du gouvernement en Occident. C'est la France qui vend des armes au Rwanda, les États-Unis contrôlent toujours Panama, et tout le monde s'agite dès qu'il y a du fric. La mort est une valeur marchande, c'est la loi du trafic. Le business des armes illégales, le business du cachot reste toujours illégal, le business des tranquillisants illégal, le business de la sexy reste illégal. Tous les business sont légaux quand ils sont contrôlés. L'illégalité dépend de ta place dans la société. Tu peux dealer des kilos si tu es dans l'armée, mais faut faire enfermer 10 ans si tu dis pour ton quartier. C'est l'idée de la illégal, le business de la cocaïne est illégal, le business du sexe illégal. Tous les business sont légaux
gens qui sont contrôlés. L'illégalité dépend de ta place dans la société. Tu peux dealer des kilos si tu es dans l'armée. On est en jamais disant si tu dis pour ton quartier. L'illégalité dépend de ta place dans la société. Tu peux mourir dans la rue du Lodé, mais pas